plus drôle, plus les capables, plus politique, plus rapide, plus rapide. Moi, je pensais que c'était un livre d'entretien avec Paul Cagelet. Oh! Il n'y est pas. Il est nulle part. Et... Même pas un. Non, même il n'est pas là. Même ouais. pas un petit on n'a pas été capable de le trouver. C'est ça, il se tient bas. Hein. Il garde profil bas depuis quelques années. Bas. Je sais pas si je l'ai déjà vu dans un clip vidéo. Des ah mon dieu! L'émission woke de Juste pour rire. Oui, on est woke. Oui, on est woke. Walk and roll. Des Walking Dead. Woke up. Ça se peut-tu ça? Woke up. Woke up. Make up. Connaissez-vous Simon et Lia? Avant. Venez, je vais vous les présenter. Venez, à Décideret, on chante. Yeah! Lui est chanceux à la grandeur. Okay, il peut se lever puis danser oui! dans le cadre. Oui, il peut danser. Ouais. Ben, moi, je peux pas, tu sais, si je me lève. Wow, ah ben oui, t'as l'air de Décideret. Ben, à ma pleine grandeur, il me manque un bout de tête. Je te l'avais dit que c'était des bons invités qu'on avait là. je le croyais pas. Ben, je le croyais pas. Je disais, franchement, ces deux-là, il n'y a rien à faire avec ça. Ouais. C'est la poisse et Joubar, ces deux-là. Oui, Joubar. Bon, enfin, c'est un petit peu trop vieux. Joubim! Joubar! Joubar! C'est pas Canal Famille, ça. C'est quoi ça? Les Gypsy King. Hein? Gypsy King. Gypsy King. Bah, bon. Comme tu dis. Décideret, on est très contents. Comme vous allez voir, ça va être une émission assez chargée, effectivement. J'ai avec moi Vincent à la console. J'ai avec moi Maxime Gervais. Comment il va? Je suis lendemain de show de NoFX. Oh boy. J'ai dormi 2h30 parce que j'étais trop sur l'adrénaline. Tu m'as dit par ailleurs que tu avais faim. Oui, j'ai faim parce que j'ai déjeuné très tôt, c'est ça. Je me suis réveillé d'adrénaline, là, tu sais, des spasmes dans le lit. T'as joué dans Adrénaline, d'ailleurs. J'ai joué dans le film Adrénaline. Oui. Ouh, Adrénaline. Fait que là, je suis vraiment d'une zone particulière. Puis là, en plus, t'es arrivé avec ton chandail de Renault, là, que ça, c'est rien pour aider. Ouais, ben, parce que faire attention parce que ma bédaine sort de ce chandail. Fait que, voilà. Ouais. Mais, salut les copains. Salut les potes. Si je peux parler un petit peu du spectacle de NoFX, j'ai vraiment eu du plaisir. Un plaisir. Adolescent. Mais j'ai failli. Est-ce que tu veux qu'on en parle peut-être à propre intelligence? Oui. Ben, c'est ça. Puis j'ai demandé à mon ami âgé d'appeler pour raconter l'expérience qu'il a eue. D'accord, parfait. On a très hâte d'attendre ça. Oui. Et on a avec nous Simon Portelance et Guilla Saint-Cyr, les deux gens les plus idiots que je connais, qui ont écrit quand même un livre, Génération oui. Canal Famille. On a très hâte de discuter. C'est tellement idiot, je viens de faire tomber le minuteur. Le minuteur? Ouais. Oui. Ah non, ça sert à rien, je le regarde jamais. Ça prouve que n'importe quel imbécile peut écrire un livre. C'est exact. Oui. Toi, t'en as écrit un, je pense. J'en ai écrit bientôt deux. Oui. T'es doublement imbécile. Oui, effectivement. C'est deux de plus que j'aurais cru publier dans ma vie quand même. Alors, oui. C'est comme un rêve inaccessible, publier un livre. Mais vous l'avez fait. Puis écoutez, j'ai rarement vu autant d'engouement pour des invités à Décideret. Je pourrais recevoir, j'ai reçu Guillaume Lambert à Box Office, c'était comme il y avait comme 15 questions. Oui. Nous autres, il y en avait 97. Mais l'engouement, on ne se le cachera pas, il n'est pas pour nous deux, il est pour l'arbre de Canal Famille. Non, il est pour Simon, moins pour Guilla un peu. C'est vrai. Ouais, ben, parce que Guilla, je suis en train de le remplacer là, tranquillement, mais un jour, je vais être à sa place. On se le souhaite. Puis ben, moi-même, j'ai pas eu le temps de terminer le livre parce que Guilla est venu me le porter chez moi mardi. Nous sommes samedi, donc ça fait 3 jours que je le possède. Puis j'aurais eu le temps si j'avais fait juste ça, mettons. Mais j'avais le goût de le savourer. Parce que c'est une brique d'informations sans arrêt. Puis tu sais, j'étais comme non, j'ai pas le goût de le binge-lire. Je voulais le. Tu sais, il est arrivé à la section, c'est les schtroumpfs, là, puis il a dit les schtroumpfs, c'est mes amis, ça, c'est mes amis. Hein?
C'est ça, hein? Ouais, c'est, ouais, c'est ça qui est arrivé. J'ai regardé quand j'étais le Schtroumpfette! C'est mon ami, elle aussi! Est-ce que tu t'es masturbé sur la Schtroumpfette? C'est la Schtroumpfette, ouais. Oh, moi, j'aime pas me masturber. J'aime pas me... Gargamel! Oh non, Gargamel! Oui, oui, je suis village de satané Schtroumpf! Fait que c'est ça qui est arrivé, j'ai pas... Grosse bouffe! Ben, j'ai réellement lu le bout sur les schtroumpfs, ah! Pis y'a aucune mention de grosse bouffe. Oh! Qu'est-ce que ça passe? En fait, c'est assez court, parce que, ben écoute, je veux pas, on est en train de brûler mes questions. Oui. On va y arriver bien rapidement, fait que j'ai plein de questions pour vous. L'heure va être bien chargée. Ah, on en appelle, désolé. Oh! Oh. Hey, absolument, c'est Niquette qui les prend. Alors, je fais ça. Ouais, ça marche-tu? Déciderait. Je pense qu'on va le mettre sur... Ce sera pas long un instant. Oui, déciderait. Hakim Gagnon, là, c'est pas fort. Il fallait pas faire ça. Il fallait pas le mettre sur haut-parleur. Faut pas le mettre sur haut-parleur. Là, si je le dé haut-parleur, mettons. Là, ça marche-tu? Ça marche-tu, là? Là, ça marche. Attends, excuse-moi, AG, c'est qu'absolument, c'est Niquette qui prend les appels. Décidérez, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Super, mon ami. Ouais. Moi aussi, je n'ai écrit un livre, les boys. Oui, t'as écrit un livre, et j'ai vu hier que t'allais être publié encore de nouveau, par ailleurs. Bientôt. Mais bientôt. Là, je reviens de NoFX, là. Oui. C'est vrai, là, c'est un vrai récit. Là. T'es j'ai avec... écrit pour ma vie. C'est vrai. La première, je me suis fait ramasser dans le mosh pit, puis j'étais pas dans le mosh pit, là. Ok, le mosh pit t'a aspiré comme, comme et un trou noir. Il y a no way out, hein? Tu décolles pas de là, là. Il n'y a pas moyen de sortir. Les gars, ils veulent pas être poussés vers en avant. T'sais. Ouais. Quel âge as-tu, Hakim? Pardon? Quel âge as-tu? 33. Ouais, 33, c'est ça. Mais dépasser 30, là, les mosh pits, là, c'est comme si c'est un passé. On s'était mis en paroi, là. On était en clôture. Il y avait pas de raison d'être dans le mosh pit, mais les gens ont décidé que le métro TELUS était un mosh pit. OK. Et à la première chanson, il y avait une personne en chaise roulante qui faisait du body surfing. Ben ouais, non, t'as pas de loin, on voyait juste un fauteuil roulant à se promener. Là, mais les roues étaient en haut. Fait que le gars, il avait juste la tête en bas, mettons, puis il se tenait après sa chaise pour camper. Mais t'es-tu mort? Il avait qu'une plancher, là, pis il avait pas l'air qu'on s'entend. Non, lâchez-moi, lâchez-moi! Ma vie est déjà assez difficile. Ouais. Oui, donc... Bye! Ah, OK. Bye, Hakim. Fais attention à toi. J'ai pleuré en lisant ton livre. Ah, ouais. Franchement, là, ben, il t'a pas entendu. Fait que Guilla, comme un bébé, il a pleuré en... Je rien, OK, parfait. Après ça, on s'est sauvé en arrière, parce qu'on... Ça a vraiment fait comme la rencontre de l'eau salée et de l'eau douce. Là. C'était comme si, là, à la première tour, les gens allaient se mettre à leur place qu'ils voulaient pour le show, mettons. Fait que ça a juste fait un gros mouvement de oh, t'étais pogné, tu te faisais pousser partout. Fait qu'on s'est sauvé en arrière. Puis là, Hakim, il m'a. Moi, j'ai dit à Hakim, hey, moi, je pense que je vais retourner en avant voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis là, lui, il m'a dit, ah non, moi, je. Je suis traumatisé, là, je reste ici. Il a vraiment eu peur de mourir, oh. Pour vrai. Ben non, on a pensé. Oui. Il m'a pris l'épaule, puis il m'a dit... Il dit, hey, il dit, là, on est au Métropolis, là. Mais imagine être à Woodstock 99. C'est un cauchemar. Mais non, mais effectivement, je suis pas fou. Là. Les images de Woodstock 99, là, de Mosh Pit, là. S'entends-tu que c'est terrifiant que le caliste, oui. Au milieu de tout ça, déciderait? J'ai vraiment mis la chienne pour vrai. En plus, leurs tunes sont pas longues, mais tabarnak, c'était long. Ben oui, c'est des tunes d'une minute et demie. On en joue combien à peu près? À peu près. Bye. Oui, OK. Allez. Ben, écoute donc. Bon. Guy a pleuré en lisant ton livre. OK, j'ai rien ressenti en lisant ton livre. Ben, ouf. Voilà. Autre chose à ajouter sur NoFX? Non, c'est tout. On va passer en... Ben, ah, non, juste... Ben, tu vas retourner voir NoFX ce oui, soir. Oui, c'est ça qui arrive. C'est que là, moi, à c'est l'époque... Ça qui arrive. Dans le temps, il avait annoncé juste le spectacle à Québec, puis moi, je les avais jamais vus, fait que j'ai acheté mon billet. Et là, ils ont annoncé le show à Montréal, puis j'ai dit, ben, je vais acheter un billet pour Montréal, puis au pire, je vendrai celui pour Québec. Mais là, entre-temps, Fat Mike a annoncé que le band allait mettre fin à ses activités puis se séparer. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, je vais aller aux deux. Fait que là, j'ai dormi 2h30, tantôt, je vais faire une sieste, puis je vais m'en aller à Québec voir
le deuxième show. Puis je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est ça. Tu retournes-tu avec AG ou. Non. Ah, AG. Mais ben, ça marche bien, ce système-là. Déciderait. Mais ma toune. C'est qui? Non, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas raccroche. Mais ma toune. T'as 5 secondes, là. Fais-nous rire. Ben, bye! OK. Fait que... Son livre, je l'ai brûlé. Ouais. C'est qui, ça? Fait que voilà. Alors, ben, on voit le nom de la personne qui appelle. Hein. Oh, on, ben, on va te retrouver. Ah, ouais. Je sais pas lire. On va aller le chercher. Ben, peut-être qu'il y avait, peut-être qu'il avait vraiment un bon gag, puis finalement, bon, mais en tout cas... Non. rapidement, donc, en nouvelle brève, Maxime Télévoir NoFX, mais aussi... le band de Blues Jean Bleu, on les aime bien, on les apprécie, sort un nouvel album qui va s'appeler Top Minou. Et Top Minou, c'est le nom du jeu préféré de Bertrand Danjou. Il dit souvent qu'il joue à Top Minou, puis il confronte les gens à Top Minou à Arcade Montréal. Ouais. J'ai googlé Top Minou, puis ça existe pas, là. C'est pas quelque chose qui est... Ben, non seulement le jeu, mais je veux dire l'expression, mettons, là. C'est pas une expression Top Minou. J'ai vu des tops en minou qui sont beaucoup moins beaux que mes tops de Renault. Puis sinon, ben, juste des informations sur le bonnet Blue Jeans Bleu. C'est quoi les chances? Comment c'est que leur album s'appelle Top Minou? Hein? Répondez donc à ça! Parce que là, de, clairement, vous nous écoutez. Là, on vous call out. Là. Ouais. on se fait des ennemis. On n'a pas, hey, on n'a pas le luxe d'avoir des ennemis pour vrai. Non, on vous aime. C'est pas grave. Là. Faites ce que vous voulez. Pas de problème. Oui. Ben oui, c'est ça. Top Minou. Mais quand quelqu'un a fait remarquer ça hier, Marie-Pierre Petroni, on l'a salué. J'étais comme, hein? Top Minou. Alors voilà, on va continuer avec nos invités. Puis Vincent est parti. Vincent, on a-tu le thème invité par hasard? Oui. Parle-nous ça, mon Vincent. Yes. Tu vas être mon Top Minou aujourd'hui. Ah. Moi, je suis plus un Bottom Minou. Ouais. Moi, je suis un Switch Minou. Il est un Switch Minou. Il est fatigué, Maxime. Ça marche avec lui. Assis-toi, ça va te parler. Il a même mis de la tête de ma vie. Bois. Fait de la projection. C'est ça. Simon Guy. Très content de vous recevoir. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Très bien. C'est très tôt pour vous, hein? Non. Ok, parfait. Moi, un peu. Un peu? Ouais, comment c'est ça? Long, en ce moment, tout à l'heure que je me lève un peu habituellement. Mm. Okay. Mais t'es un travail tard, toi. Ouais, c'est ça, je finis à minuit. Ok. On va y aller avec. Ça m'intéresse pas. On va y aller un peu avec les questions un peu jeunesse sur le livre. On va y aller, on va ouvrir les valves tranquillement. Puis à la fin, on va s'amuser, là. T'sais, quelle émission c'était de la merde, tout ça. Ah. Fait que là, voilà. Alors, donc, Maxime, t'es mon bras droit. Oui. Faut que tu m'appuies dans ce cas. Excuse-moi. Alors, là, hein? Vous avez écrit le livre Génération Canal Famille. Quelle est la genèse de ce projet? La genèse du livre, c'est la genèse de notre rencontre. Ah oui. Donc, on s'est rencontrés comme en 2016. À la ronde, autour d'une bière. Non, pas à la ronde. Non, au host, Station host. Puis on avait pris une bière là, puis on s'est mis à parler de Canal Famille, puis pendant genre 4 heures, là, ça avait aucun hostie de bon sens, puis c'était comme, je pense, la première fois, les deux, qu'on rencontrait quelqu'un qui avait autant de souvenirs l'un l'autre. Moi, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un, point. Oh. Oui, mais Guy est un homme très seul. Oui. En fait, selon le livre, tu vivais une séparation. Oui. Ouais. On peut-tu parler de ça? Ben, c'est parce que c'est plus tard. C'est quelques années plus tard. Ah, c'est plus tard, d'accord. C'est qu'on s'est rencontrés en 2016, on a eu cette conversation-là. Là, on s'était dit que ce serait le fun qu'il y ait de quoi sur Canal Famille. Vous connaissant, ça devait être Simon qui parlait plus. Possiblement, ouais, oui. Ouais. Ouais, ouais. Puis ça a fini que lui a dit, ben, on pourrait faire quelque chose, un livre, un docu, quelque chose. On fait, OK, parfait, on fera ça un jour. Un feuillet. Une brochure. Ben, un docu, ça peut s'arrêter avec les droits de suite, avec les droits, avec le nombre d'émissions qui n'a aucune calisse d'image. Si tu sors un peu de Radio Enfer, d'une galaxie près chez vous. C'est un peu limité. Puis les images sont pas de bonne qualité non plus, la plupart du temps. C'est quelqu'un qui a tapé ça quelque part. Merci, fait que les années passent, puis à un moment donné, je dors pendant la nuit et j'ai une vision. Oh! Il y a un rêve de mêler à ça! T'as eu ça aussi pour les costauds? Oui! Fait que là, tu fonctionnes avec tes astuces de rêve. J'ai des illuminations la nuit. Puis là, c'est Brad Spitfire qui est venu et qui a dit...
fais un livre. Il parlait à l'envers. Fais un livre sur Canal Famille. Là, je me suis réveillé. En plus, c'est comme gentil Brad, méchant Brad. Ouais, ben ouais, là, ouais. C'était comme un peu Linda, genre, tu sais, quand il y a un switch de personnalité. Linda? Oh, je connais pas assez l'émission. Il y a un épisode où est-ce que Brad... Non, mais ton rêve, c'était ça? Ouais, oh, ouais. Wow, OK. Ah oh, ouais, c'était weird, wow. Là. Ça, c'était avant ou après le rêve qui a fait que t'as fait les costauds? Après. OK. J'en fais beaucoup des rêves quand même. Ben, OK. Gros rêve. Quand tu fais un rêve érotique, qu'est-ce qui arrive? Ben, il se passe rien après. Ben, c'est ça. Ouais. Il se masturbe. Il se masturbe. Bon, je voulais pas le dire, là. Peut-être le prochain livre, là. C'est plate, le livre sur Bleu Nuit est déjà fait. Oui. C'est vrai, il est très bon. On a reçu d'ailleurs l'auteur Éric Falardeau et Simon Laperrière. Bon. Donc, j'appelle Guy. Hey, notre idée de livre, tout, on le fait-tu? Puis là, il me dit, oh, je suis en séparation, là. Ça va. Ah, il se laisse dans sa blonde. Fait que on a dit, ben, allons-y, allons-y. Puis on a fait ça. OK. Tu es content que tu es avec ta blonde, Guy? Genre 2 ans, à peu près. 2 ans, c'est rough. 2 ans, c'est rough, ouais. C'est assez long. Sors donc ta belle métaphore, là, sur la balade en nature, là. Ouais, c'est bon. Ouais. Sors-la donc, sors-la. De ce projet-là, ouais. C'est comme si Simon Pimon s'était dit... Parce qu'au début, tu sais, c'est sûr qu'on n'avait pas prévu écrire tout ça au début, là. Ouais. On avait plus l'idée de demander à des artistes, des collaborateurs, d'écrire des textes sur le Canal Famille, puis qu'on ait moins de jobs, finalement, on a fait toutes les rencontres, toutes les recherches, toutes les entrevues. Puis à un moment donné, j'ai dit à Simon, c'est un peu comme si on s'était dit, on s'en va-tu faire une randonnée, une petite randonnée pédestre, puisqu'on avait escaladé l'Everest, finalement. Là. Ouais. Je comprends la métaphore. Oui. Elle est bonne, elle fonctionne. Je comprends qu'elle était laissée aussi. Là. Mais, oui. Ouais. Mais, ouais. C'est qui la première personne que vous avez approchée pour faire une entrevue? Première, c'était Guy Jolouin. Denis Dubois. Ouais. Ah, c'est qui ça? Ouais. Ben, en tout respect à Denis. Ouais. Monsieur Tocard. C'était un des derniers, Monsieur Tocard. Monsieur Tocard, c'est la rue Tabaga? Oui, non, c'est Frépé Pouille. Ah, oui. C'est le voisin d'en haut. Je sais pas, tu étais pas dedans. Ben, là, non, lui. Il connaît rien au Canal Famille. Parce qu'il est sous mon dos tout le temps, les sites. C'est toi qui est tout le temps sous mon dos. Non. Oui, OK, fait que c'était Pouille le premier. Non, c'était Denis Dubois. C'est qui? Ironiquement, qui a quand même produit Frépé Pouille. Fait que les producteurs se donnaient un rôle dans Frépé Pouille. Non, pas du tout. Non, c'était, ah. il était producteur d'émissions pour enfants. Okay. Puis. Avec le temps, il est devenu vice-directeur ou directeur à la programmation du Canal Famille. Pas du Canal Famille, de VRAC, mais il était à Canal Famille depuis longtemps. Maintenant, après ça, il est devenu directeur à la programmation de Télé-Québec. Aujourd'hui, il est directeur à la programmation de TVA. Okay. Donc, il a quand même une grosse carrière en télé, mais il a commencé en jeunesse. Puis ça a été le premier. En fait, les trois premières grosses entrevues qu'on a fait, ça a été avec les trois patrons du Canal Famille. Ça transcende effectivement. Il y a pas juste, t'as pas juste Frépé Pouille puis le monde qui ont joué dans Guy à l'Esprit de chez vous là. Mm-hmm. Il y a tout le monde. T'as le gars qui a fait le dessin d'arbre. Oui. vous avez retrouvé tout le monde. Presque tout le monde. Mais ben, je veux dire, puis là, je parlais pas de Paul Cagelet, c'est des blagues, là, mais outre ces gens-là, là, Gare Frussier, blablabla, là, outre ces gens-là, est-ce qu'il y a des gens qui étaient, ou les gens morts, là? Est-ce qu'il y a des gens que c'était impossible de la rejoindre, ou... Mais les gens morts, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même parlé avec... Non, oui, on a sorti le Ouija, ça marche pas, mais on a parlé avec, souvent... Merci, Vincent. Quand c'est moi qui l'ai dit, c'était pas drôle, mais quand c'est lui... Ouais, c'est drôle, hein? Je me demande pourquoi. Hey, tu me lâches-tu la banane? La banane. Mais Anne la banane en pyjama. Rencontrer... Elle a dedans de la banane. Ah, oui, il a dit fuck you. Bon. Tu sais, souvent, de rencontrer leurs enfants ou des membres de leur famille, comme Marisol Etouga, on a rencontré son frère, ben, qui était comédien dans certaines émissions. Vincent Etouga. Comment? Vincent Etouga. Sébastien Etouga. Sébastien, ça existe-tu, Vincent Etouga? Ça n'existe pas. C'est peut-être sur Facebook. Continue, peut-être, pas. Probablement. Peut-être un de tes nombreux amis. En souplet. Mais tu sais, mettons. C'est par les deux fronts. Mais ça, t'as qui? Il y a juste moi qui est de ton bord, Julien. Mais tu sais, je suis capable d'en prendre. Amenez-en. Okay. Alors, Sébastien Etouga, donc. Sébastien Etouga, ou c'est Pierre Clavaux qui joue à Monsieur Giroux à la Radio Enfer. On a rencontré sa fille, Camille, tout ça. Fait, ouais, j'ai lu quand même le chapitre sur le gars de Radio Enfer. Oui. Comment il s'appelle, excuse-moi? Pierre Clavaux. Ouais, puis c'est super. Tu sais, c'est un bon 3 pages là, qui lui rend hommage. Puis vous avez interviewé effectivement sa fille, tous les gens qui collaboraient avec lui. Puis tu sais, quand tu connais juste, comment il s'appelle son personnage? Monsieur Giroux. Ben, tu connais juste ça de lui, tu dis, bon, ben,
c'est un comédien jeunesse, patati patata. Finalement, tu apprends à connaître que le gars, il joue de la guitare, il joue de la musique, ouais. Il invitait tout le monde à faire des barbecues, à boire de la bière. Il était dans le crew aussi. Il était dans le crew, oui, effectivement. Fait que, tu sais, c'est ça, des choses comme ça, c'est fascinant à mener, là. Puis vous êtes allé tellement loin dans vos recherches, là. Y a, tout le monde est là. Il y a, semble-t-il, 250 artisans selon le taux du livre, quand même. Oui, bien compté. Bien compté, ouais. Exactement 250. Exactement 250. Ouais. OK. Fait que, puis tout le monde s'en rappelait. Parce que moi, mettons, ça fait 11 ans qu'on fait des CDR et il me manque des hosties de bout. Il y a des gens qui ont des mémoires plus précises que d'autres. Ouais. Mais ce qui était le fun avec ce livre-là, c'est que l'un complétait l'autre tout le temps. Mmh. Fait que si quelqu'un ne se rappelait pas de quelque chose, il y avait quelqu'un d'autre pour s'en rappeler. Ouais. Fait que quand tu mets tout ça ensemble, c'est de la mémoire collective. Ouais, parce que quelque chose comme, mettons, Radio Enfer, c'est encore rediffusé. Là. Fait que c'est sûr que les artisans, ils s'en rappellent. Là. C'est ça comme... dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Qui s'en rappelle? Ben, ça se dit. Non, ben, ça se dit pas. Okay, c'est pas grave. C'est pas qu'il y a personne qui s'en rappelle, mais tu sais. T'en as, tu sais, par exemple, quand on avait parlé avec Anne-Claude Chénier, qui jouait Camille, tu sais, au début, elle disait, ben, j'ai pas une bonne mémoire, je me rappelle de rien. Finalement, ça a duré une heure avec elle, puis elle avait plein de souvenirs. Mais tu sais, c'est ça, une fois que tu ouvres la porte de la mémoire, tous les souvenirs ressortent d'un coup. Les entrevues duraient combien de temps, à peu près, en général? Ça allait de 10 minutes à 4 heures. Ah, ouais. Hein? Fait que ça dépendait de la personne, qui de combien d'émissions. Ah, ben, maintenant, ça va être des gens qui ont participé à plusieurs émissions. Non, ben, oui, Guy Jodoin, Monique Lessard, on l'a rencontré deux fois. C'était la deuxième patronne du Canal Famille. Claude Legault, ça a été un 3 heures parce que couvrir toute l'histoire de Galaxy, lui était là de la création, c'est son idée jusqu'au film, tout ça, il a toujours été investi, c'est sûr que ça prend plus de temps. Vous avez même développé une amitié, semble-t-il. Un peu. On est chez lui à quelques reprises. On numérise ses cassettes. Mais ça, t'avais, là, je saute mes questions, là, mais Télépirate, t'as accès à tous les épisodes de Télépirate. Tu m'avais dit ça que t'avais... Non, c'est Guy Jodoin qui les a chez eux, mais ça appartient à TVA, fait qu'on n'y a pas eu accès. Ah. Mais on en a une poignée, là, une trentaine. OK. Ouais. Avec les vidéoclips de Dude Bartman. Oh yeah! Alors, y a-tu des émissions dans le livre que vous connaissiez pas du tout puis que c'est un peu dans le bar? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 29, j'ai vu la fin de Canal Famille. Moi, j'ai une grosse mémoire de mon préscolaire. Fait qu'il y a des affaires que j'écoutais à 2-3 ans que je m'en rappelle, que quelqu'un normalement se souvient pas de ça. Ouais. Toi, t'es... Moi, je vais avoir 33 la semaine prochaine. Ouais. Comme âgé, d'ailleurs. On aujourd'hui, je demande l'âge aux gens. C'est ça. Fait que j'ai 33. Fait que oui, il y a forcément plein d'émissions qu'on connaissait pas, surtout dans les premières années. Tu sais, des affaires comme Livrofolie. J'avais jamais entendu parler de ça. Moi, les premières années, moi, j'ai 39. Fait que je m'en rappelle, honnêtement. Mais... Tu viens de Livrofolie? Oui, je m'en rappelle. C'est l'émission, ben, je trouvais ça plate quand j'étais jeune. Oui, c'est normal. C'était l'émission sur les livres, c'est l'émission sur la littérature, c'était avec Fanny Lauzier, c'est ça? Ouais. Puis le gars, je ne me souviens pas de son nom. Vincent Bilodeau. Puis il y a un épisode qui se trouve sur YouTube avec Plume la Traverse. Oui, parce c'est que vraiment Plume, bon. Parce que Plume, il a arrêté la musique pour écrire des romans, il a écrit 3 romans. Oui, mon bout préféré, c'est quand il dit que son processus de création, il dit « Hey, c'est comme prendre de l'urine, un test d'urine, tu mets ça dans un petit flacon, tu shakes, tu ouvres ça, puis ça verse ses murs. » Ils ont dû se dire, bon, vu que c'est l'émission littéraire, c'est correct, là, ça passe. Il n'y aurait pas eu ça dans Bibi et Génie. « J'ai fait un test d'urine, j'en ai mis partout. J'ai fait pipi sur un bâton. J'ai fait pipi! » Quoique... Bibi et Geneviève, quand même, je lisais ça, puis ça traitait... Ça, c'est une des rares émissions qui a eu plusieurs saisons. Il y en a quelques-unes, mais Bibi et Geneviève a eu 5 saisons, 6 du courrier, 7, si on ajoute la version à TFO que personne n'a vue. Puis Bibi et Geneviève, il abordait quand même, justement, la sexualité, il abordait la mort. Il abordait-tu l'homosexualité aussi, faisait-tu ça? Je pense. Peut-être pas. Plus peut-être tard, pas, avec Christian Bégin dans Zoé et Bibi Zoé. Ouais. Peut-être. Okay. Plus tard. C'est pour les pré-ados. Julien fumait des tops. Ouais. Oui. Jusqu'à ce que Bibi dise « Arrête de fumer, Julien, c'est pas bon pour attends, toi! » L'histoire, c'est que Bibi, à cause de la fumée de cigarette, il est comme tombé d'une espèce de transe, puis il se promenait, puis il pouvait plus parler, puis il était comme... Dans la vraie vie, ça? Non, dans le show. Dans vrai. Mais Bibi, non, mais ça, ils ont filmé ça.
ça c'est fucked up là. Les gens ils se promènent puis comme un peu somnambule là, puis ils parlent pas, puis là ils ont fini par comprendre que c'est à cause de la fumée de la cigarette Julien. C'était pas de la cigarette là, on s'entend. Qui était batté ben raide. C'est une métaphore sur le pot ou c'était vraiment non okay, bon, c'était la cigarette. C'est comme ça qu'ils ont trouvé l'angle pour l'aborder. Ouais, pour faire hey, regardez là, ça fait du mal à Bibi là, ben il est plus là. Et Bibi est invisible. Ben, le chapitre, c'est le fun, les chapitres qui sont plus longs, parce qu'évidemment, ben, Livrofolie, ben, même il y a pire que Livrofolie. Oui, mais tu sais, il y a de jeune en jeune, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a que c'est une page. Là, oui. Mais les émissions phares, il y en a, c'est 12 pages, 14 pages, 16 pages. Puis, mettons, par exemple, Bibi et Geneviève, quand il parle du courrier du lecteur, quand il parle de quand il allait visiter les enfants dans les hôpitaux, ben, tout ça, tout cet angle-là, c'est fascinant aussi. C'est toutes des affaires qu'on connaît pas, personne ne connaît ça. Puis, sauf les gens après, qui sont directement impliqués. Mm-hmm. Puis il y a aussi le fait que c'est souvent des gens qui, tu sais, prennent une émission comme Les Enfants de la télé, ils vont inviter ceux qui sont encore très actifs et visibles maintenant. Fait qu'eux, les histoires, on les a déjà un petit peu entendues, mais tous ces gens-là qui des fois, ont fait autre chose. Que, tu sais, les marionnettistes, c'est pas des gens que tu vas voir aller se faire interviewer dans des gros plateaux, mais souvent, c'est eux qui ont les meilleures histoires. Ben oui. Le doute de Bibi, c'est Michel Ledoux. Michel Ledoux, ouais. Ouais, Michel Ledoux. Très sympathique. Ouais, mm-hmm. j'ai eu la chance de le rencontrer une fois, puis c'était le gars le plus relax sur le plateau de tournage. Mais tu sais, c'était un gars, dans les années 90, qui était un peu punk, puis que, tu sais, des marionnettistes, dès que c'est une marionnette dans les mains, ça veut faire des niaiseries avec quand c'est pas en onde. Fait que, tu sais, et son contraire a été fait avec Bibi hors d'onde. Il nous avait dit que le sketch de RBO, mettons, Pipi et Geneviève, eux, ils ont vu ça, ils ont fait comme... pas mal c'est, ce c'est qu'on pas mal, fait. C'est même moins pire que ce qu'on fait hors d'onde. Ouais, dans le chapitre Bibi et Geneviève, encore une fois, il y avait... ça, j'avais trouvé ça, l'anecdote. Quand ils font le courrier des jeunes, je ne sais pas comment ça s'appelle, le générique part... puis je m'en rappelle, là, tu vois Bibi puis qui parle à Geneviève, puis Geneviève qui rit, mais on n'entend pas qu'est-ce qu'ils disent. Là, Bibi, il dit des hosties d'atrocités sans arrêt, puis c'était tout le temps ça. Puis là, maintenant, ils se sont fait taper ses doigts, puis ils ont fait « Hey, il y a des jeunes qui comprennent le langage, des, ouais. Ils sont capables de lire sur les lèvres. » Les lèvres de Bibi? Ben, non, mais c'était la comédienne qui répondait. « Tabarnak, Bibi! » Ah ouais, c'est ça! Mais tu sais, c'est drôle qu'il n'y ait pas... Moi, j'aurais jamais pensé à ça. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui lisent sur les lèvres, qui ont des parents sourds ou aveugles, je sais pas drôle. Fait que, avoir 5 ans et lire sur les lèvres. Moi, j'ai beaucoup apprécié quel aussi. Talent. Non, OK, on va reculer. C'est quoi Canal Famille? Oh. C'est une chaîne jeunesse destinée aux 3 à 14 ans qui fut en onde de 1988 à 2001. Voilà. C'est une chaîne qui prônait... Tu dis 14 ans, mais c'était assez bébé. Qu'est-ce qui s'adresse aux 14 ans? Ouais, ben, sur papier, c'était 14, mais dans les faits... À partir de 7-8 ans, le monde commençait à débarquer, à part pour certaines émissions. D'où, en fait, dans le livre, tu vas le voir, là, t'es pas encore rendu, mais le combat éternel de Canal Famille, c'était d'aller chercher les plus vieux, d'aller chercher les 12, 13, 14, 15 ans. Puis ce qu'ils ont sorti de ça, c'est Radio Enfer, puis Dans une galaxie, puis le studio. C'est une chaîne privée, ça? Ouais. Fait que... OK, mais mettons, quand tu fais de la télé jeunesse, est-ce que tu dois répondre justement à un certain code de... Il y a plein de règles, il y a plein de lois, il y a plein de codes à respecter quand tu fais de la télévision jeunesse, au niveau de la publicité, au niveau des revenus, au niveau de... Ben, il n'y a pas de pub, mais de ce que j'ai compris du livre, c'est que les règles sont... Mettons, la pub, ça, c'est gouvernemental, mais sinon, les règles, ils sont faites par eux-mêmes à l'interne. Ouais. C'est eux qui ont pris la décision, mettons, ben, on va parler dans un bon français. Ouais, c'est pas quelque chose que je réalisais quand j'étais jeune, qui parlait dans un bon français. Ça crée des problèmes quand ils ont amené, mettons, Radio Enfer en onde, qui parlait en joual, qui parlait en québécois, comme on se le parle en ce moment. Tabarnak. Ben, t'sais, la seule règle à peu près de Radio Enfer, c'est pas de sacre. Ouais. Après ça, ben, pas de violence, pas de sexualité, évidemment. Ça serait à quel âge, Radio Enfer, théoriquement? La première partie, c'était à peu près un 9-14 qui visait. Puis après ça, ils ont changé la badge d'auteur. Ça, tu sais, sans dire qu'ils ont changé la cible du public, c'est devenu un petit peu plus enfantin. OK. Les premières saisons sont plus... sont plus ados, sont plus même adultes. Tu sais, il y a comme un gag sur Fabienne Larouche dans saison 2, genre. Ça n'a pas de sens. Mais tu sais... Ça, il y a des règlements de compte d'auteur. Les enfants l'ont aimé, ça. Ah oui! Ah, Fabienne! Les premières saisons, il y a des jokes sexuels, des fois aussi, qu'il y a moins par après. Hey, Maria, tu me... pas de ce niveau-là. Non, mais c'est dans le sous-entendu. Ouais, c'est ça. Non, je comprends. Ben, les premières saisons, c'est Louis Saïa. Ça fait un peu
tu sais, les Boys soft, ouais. Là, mettons. Ouais. C'est la même époque que les Boys aussi. Ouais. Ouais. Il était en écriture des Boys, il faisait la script édition, puis la réalisation. Il y a souvent ça, parce qu'il y a aussi les rares émissions qui ont connu un gros succès, qui ont duré plusieurs saisons. Comme Télépirates, c'est eu le même phénomène parce que c'est les saisons 1 et 2 qui sont super bonnes. Mm-hmm. Puis saison 3, 4, 5, là, il y a de plus en plus d'ingérence de la station puis qui fuck toute la patente. Je veux dire, le pauvre Carole Castista, par exemple, qui a remplacé Guy, à l'âge adulte, on est capable de comprendre, hey, c'est des grosses chaussures à chausser, ouais. Ça devait être impossible. Mais jeune, on se disait pas ça. Jeune, on se disait juste, Carole, il est plate, ça fait chier, ces épisodes-là sont plates, le linge, il est laid. C'est tellement pas de sa faute, tu sais. Puis Carole Castista, il est super bon. Quand tu regardes ses sketchs, il est extrêmement bon. Mais n'importe qui, même, je pense, Marc Labrèche aurait suivi Guy Jodoin. Dans Télépirates, il n'aurait pas été du niveau du jour. Ça aurait bizarre. Ouais, je pense qu'en plus, dans l'enfance, tu es super attaché à tes affaires. Ouais. Tu veux pas que ça change. Fait que, comme tu dis, n'importe qui aurait... Puis Guy a un magnétisme incroyable aussi, que ce soit à la télévision ou en personne. Tu le vois aller, c'est un gars qui est fou, c'est un esprit libre, complètement libre. On dirait que c'est lui qui a donné le ton de Télépirates. Ouais. Tout le monde nous l'a dit. C'est lui qui a fait « Hey, ce show-là, ça va être ça, ça va être baveux, on va repousser les limites. » Tu sais, t'as probablement vu l'anecdote de la réglisse. Qui suce une réglisse, puis qui ont... Il mime sucer une réglisse. En background. Ça a passé. Si je me souviens bien. Puis dans les rediffusions, ils ont mis un gros truc noir par-dessus. Même avant. Non, c'est ça. C'est avant que ça soit diffusé. OK, d'accord. Il enregistre ça la semaine d'avant, la mais semaine d'après. Mais c'est encore pire. C'est comme s'il y avait un dildo dans les mains. C'est ça. La semaine d'après, ils se font chier dessus par le producteur. « Ça n'a pas d'allure de faire ça. » Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait en onde? Guy Jodoin l'a vu live. Ils ont mis une grosse barre noire en avant de la réglisse. C'est bien épais. Ils sont 100 fois épais. Yeah! Ils étaient crampés chez eux. Là. Ouais. Mais moi, Télépirates, moi, c'est d'ailleurs la seule anecdote que j'avais pris puis que vous n'avez pas gardé pour le livre. Oui, voilà. C'est quoi ton anecdote? Je m'en rappelle même plus. Tu avais dit que ça t'avait influencé. Ou en genre. Ouais, c'était pas tant une anecdote. Non. Vraiment celle de Maxime qui se retrouve dans le livre. Oui. Mais Télépirates, même jeune, ça je le voyais aussi. Parce qu'ils sont moins cons qu'ils en paraissent, les jeunes, parfois. Mais parfois. Je voyais comme la liberté qu'il y avait. Je le sentais. Je sentais qu'il déconnait tout le temps. Il avait tout le temps envie de rire. Je me rappelle, il faisait une critique de film, toujours un film de pirates des années 30. D'ailleurs, j'aimais ça parce qu'il faisait des critiques de vieux films. Oui. Ça, on voyait pas ça souvent, on voyait ça à Télépirates. Puis il faisait une critique de film, c'était mettons Christian qui parle du film, puis Guilla qui... Guilla, parce que je t'ai regardé. Oui, Guilla était là. Ben oui, j'étais tout petit. Non, mais Guilla Lepage était dans le décor de Télépirates. T'es-tu là? Si tu remarques bien, il y a comme une espèce de mural... Puis ils ont découpé des têtes de RBO, puis ils ont calissé ça dans le fond du décor. Après, tu vois clairement Guy Lepage et André Ducharme. Ben, regardons. Mais je voulais plutôt dire Guy Jodoin. Il était là, en personnage, puis il faisait juste comme essayer de briser Christian tout le temps. Mais c'était ça le défi, c'est ça qui est fantastique. Tu comprends que c'est tout le temps en one take, qu'ils n'ont pas d'argent. Non. Ça aussi, ça revient souvent d'ailleurs. Ouais. Toutes les émissions, on n'a pas d'argent. Ouais. C'est de la télé communautaire. À la limite, oui. Vers la fin, ils ont eu plus de moyens, plus de budget, mais les premières... Les 4, 5, 6 premières années, il n'y a aucun argent dans aucune émission. À part peut-être genre La Princesse Astronaute qui est l'excès, ou Les Intrépides. Les Intrépides, ils ont un gros budget, mais c'était Les Intrépides, c'est une coproduction avec la France, la Joie Radio-Canada. J'ai une question. Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais Canal Famille, le poste fermait à je sais pas quelle heure, là, mettons 7 heures. Puis après, ça devenait comme super écran, des annonces de super écran. Et des fois, ça devenait même de la porn embrouillée. Oui, c'est que Super Écran 2 prenait le relais passant une certaine heure, puis il fallait que tu ailles l'abonnement à Super Écran, mais sur la chaîne de Canal Famille, pendant une certaine période, à un moment donné, ils ont arrêté ça parce qu'il y a des gens qui ont levé le flag, là. C'est pas mal pire que c'est une réglisse. Ouais, c'était littéralement, tu sais, c'était brouillé, mais tu voyais que, OK, il y a une queue, là. T'entends tout le son aussi. Ouais, c'est ça. C'était à minuit coq, mais un enfant qui laisse Canal Famille par défaut sur sa télé dans sa chambre, il se réveille à minuit, il ouvre la TV,
Ouais. Ouais. Surprise! Ben ouais, ben ouais, les pirates! C'est le même qu'on fait une famille. Ouais. C'était, ben, c'était, c'est ça, ma question, en fait, c'était quoi ce deal-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Astral, à qui appartenait Canal Famille, avait également Super Écran. Ouais, okay. Puis quand Canal Famille fermait, ils se disaient, ben, tant qu'à laisser le poste fermé, on va mettre un deuxième film la nuit, en soirée. Puis des fois, occasionnellement, un peu de porno. Un peu de porno. Pour mon ami Julien. Ben, j'haïssais pas ça. Moi, de la porn brouillée. J'ai tapé de la porn brouillée. Ah oui? Oui. Lequel? Ça, je décris pas, là. On est en onde! Ben oui, mais c'est ce que vous pensez. Là. Je tapé ça, puis je me... Alors, oui? Sinon, quels sont les préjugés qu'on a envers Canal Famille? Que c'est un poste bébé. Ouais. Ben moi-même, je l'ai dit. J'ai dit, oui, il me semble que c'est... Tu me disais 14 ans, j'étais comme, il me semble 14 ans. Il y a un préjugé que c'était éducatif quand... Ouais. Ça, oui, ça pouvait l'être dans des c'était émissions c'était plus responsable qu'éducatif. Ouais, exactement. Ouais. Puis, ouais. Y en a-t-il un ici qui a déjà fait les zigotos? Non. Non. Ça, non? Non, j'ai pas fait les zigotos. Ah, OK. Non, j'ai pas fait... Mais Simon Chénier, il a fait... Non, non, ben moi, j'ai rien Simon fait. Simon Predge. Predge, non, mais les deux. Simon Chénier, il a fait... Hé, hey, parce que là, je vais pas changer ça 10 minutes, là. La garderie des amis. Oui, Simon Chénier, oui, tu m'avais dit ça l'autre jour. D'ailleurs, il y a... quelque chose comme 3000 épisodes de ça. Ah, c'est celui qui jouait à TVA avant? Non, c'est le château en c'est le château des amis. C'est le château des amis. Le château des enfants. Château des enfants, ouais. Puis il y a comme 3000 épisodes de ça. 3000? Quand l'épisode, on a ramassé 65, mettons. Ben, oui. C'est quoi les, mettons, ce serait quoi les périodes de Canal Famille? C'est quoi le pic de Canal Famille créatif? Puis c'est quoi le déclin de Canal Famille? C'est quoi ta réponse à ça? Il y a comme 8 volets à ma question. Là. Le pic, je te dirais 94-95. Puis on associe ça à quelle émission, ça? C'est Télépirate est encore en onde, Radio Enfer arrive, Bruno Blanchet arrive. Les débrouillards. Les débrouillards sont là. Puis le déclin, c'est Télétoon. Ouais. Quand Télétoon est arrivé, ça a commencé à curver parce par le bas. Parce que Télétoon, lui, c'est pas donné de mandat éducatif, là, de mandat responsable. La comme différence, on c'est que Télétoon, c'est une chaîne double, fait que t'as le volet anglophone, le volet francophone. Donc, sur le volet anglophone, ils peuvent se permettre de la publicité parce que les règles au Canada anglais sont pas les mêmes qu'au Québec. Fait qu'ils ont plus de revenus. Je pense que Canal Famille avait 16 millions, puis Télétoon avait 50 millions. Puis à un moment donné, c'est la plus grosse chaîne sur le câble. Canal Famille avait 6 millions. 6 millions, oui. Puis Télétoon avait 50 millions. Pour faire la programmation annuelle. Là. Fait que... 6 millions, ça doit être le prix d'une saison, d'une émission de télé à TVA, mettons. Ouais. Aujourd'hui, là, oui. Là, c'est une chaîne en entier. Là. Ouais, exactement. C'est toute la production. Et qu'on ça, ce qui a beaucoup changé entre le début et la fin de Canal Famille, c'est qu'au début, ils faisaient plein de petites prod qui donnait des petites enveloppes, tandis que vers la fin, ils sont dit au lieu d'en faire, mettons, 7 par année, on va en faire 3, mais bien les faire. Ben, tu dis ça, mais Radio Enfer, j'ai lu le chapitre, puis la dernière saison, tout le monde garde une espèce de mauvais souvenir. Le 10 à demi-mot, là, qui ont moins aimé ça. Puis dans la dernière saison, ils disent, ben, tu sais, le décor tombait en ruine, on mettait toujours les mêmes costumes, il n'y avait plus d'invités. Ouais. Fait que, tu sais, comment tu coupes... Il y avait 700 000 personnes qui écoutaient Radio Enfer, puis tu coupes les fonds pareil. C'est malheureux. Il y avait juste de la mauvaise gestion ou c'était qu'ils n'en ont pas d'argent? Ou... Je pense que je peux pas parler pour eux, mais j'ai l'impression que c'est Vrac qui s'en venait. Mm-hmm. Ils voulaient faire un peu de ménage dans la grille, j'ai l'impression. Là, avec d'autres émissions qui s'en viennent, tu avais une grenade avec ça qui se préparait, qui était... Tu sais, une grenade, c'est l'hybride entre Radio Enfer puis dans un gag près de chez vous, tu sais, le côté qui sont dans des suits un peu militaires ou, tu sais, sont dans un environnement gris comme ça, dans un gag. Fait que je l'ai pas écouté. Ben, moi, j'ai regardé, j'ai pas de souvenir d'avoir regardé, mais tu sais, c'est avec des jeunes qui travaillent dans un fast-food, fait que t'as le côté Radio Enfer qui est là, puis il y avait plus de budget, évidemment, puis ça a duré, 9, 10 saisons, une grenade avec ça. Wow. Mais... dont 7 qui ne peuvent plus être diffusés. Oui, exactement, à cause d'un comédien. Mais ben oui. J'avais une question, pas par rapport à ça, mais mettons, outre là, les scandales sexuels, y a-tu des scandales ou des événements qui sont vraiment venus brasser la chaîne Canal Famille? Il y en a un. Claude Robinson. Ouais. Ah! Ouais, parce que Robinson, ça a été diffusé au Canal Famille. Puis il n'y avait pas le choix de le diffuser, il était contractuellement obligé de le diffuser. Puis bon, on le dit dans le livre, mais ils ont reçu une mise en demeure deux jours après la diffusion du premier épisode des avocats de Claude Robinson qui disaient « Vous devez enlever ce produit-là de vos écrans. » Mais eux, ils ont une entente avec Cynar. C'est pas... Tu sais, quand la famille, ils ont acheté un produit sans savoir que c'était pourri. Puis
ils se sont consultés à l'interne, puis tout le monde a volontairement donné de l'argent à Claude Robinson pour l'aider dans sa cause, parce qu'ils comprenaient, tabarouette, ça n'a pas de sens qu'on mette ça, nous, en onde. Puis après ça, ouais. Des questions? Ah, oui, je m'excuse. Ah, oh, non, mais je ne veux pas te couper. Bah, non, mais on okay. est... Non, ben, tout le monde va droit, vas-y. oui. Au moment où Marie-Soleil Touga est décédé, ouais. est-ce que les débrouillards, c'était encore en onde? Non, à Canal Famille, oui. Oui. Ben oui. Mais c'était des reprises, tout ça? Ouais. Oui, c'est ça. La run d'enregistrement était déjà terminée depuis 2 ans quand il est décédé. Mais il y avait déjà l'idée de ramener une nouvelle mouture, puis Marie-Soleil Touga faisait partie du développement de la nouvelle mouture qui a été retardée par son décès, puis qui est arrivée en 99. Il y avait-tu un espèce de 98. Truc spécial à sa mémoire? Il n'y a rien vraiment, ouais. À Canal Famille, quand il termine... J'ai pas de souvenir, ça m'a été raconté, ce serait à vérifier, mais quand il rediffusait les épisodes avec Marie-Soleil, après le décès, à la fin, il mettait un petit... un petit quelque chose. Ça m'a été raconté. Pendant un an de temps? Genre. Ah ouais, mon Dieu. Mais il n'y a rien eu pour les jeunes quand Marie-Soleil est décédée. Il y a eu les funérailles qu'on a toutes regardées à la télévision. Il y a eu plein de reportages, il y a eu pas nécessairement des documentaires, mais tu sais, des émissions spéciales sur qui elle était à la télé. Ouais. Mais il n'y a rien qui a été fait pour les jeunes, puis je sais pas pour vous. On dirait que Canal Famille, c'est jamais ancré vraiment dans l'actualité. Il n'y en a pas d'émissions spéciales diffusées une fois. Ou... Parce que je me souviens quand Ryan Dunn est mort de Jackass, je pense MTV a fait une espèce d'émission spéciale. Ouais. C'est ça là à sa mémoire, mais aussi à la fin pour parler de détresse psychologique puis de mais c'est une autre époque aussi, puis tu te dis ben c'est des enfants, comment ils vont prendre ça, puis t'as pas, tu sais, avec 6 millions t'as pas le temps, t'as pas le budget de commencer à faire une émission spéciale que tu diffuses 2 jours après, puis qu'il y aurait aucune émission d'archives parce qu'ils n'ont pas les moyens. Exact. Ça serait Grégory Charles dans son salon qui parle, puis qu'aussi Canal Famille était une chaîne que tu sais la programmation était bouclée vraiment d'avance là, c'est pas une chaîne qui pouvait arriver le lendemain, clic, on change ça, puis c'était souvent des directs différés qu'ils appelaient, c'est-à-dire des émissions live to tape qui étaient enregistrées souvent à une prise, donc t'avais quand même un effet de direct, mais c'était enregistré comme 2, 3, 4 semaines d'avance. Ben justement, les émissions durent souvent une saison, là. Les émissions qui sont pas les émissions phares, là, ils durent une saison puis sont rediffusées 7 ans. C'est entre 13 et 26 épisodes qui sont rediffusé des fois tous les jours, fait qu'en un mois tu peux avoir 2 fois le même épisode. On se calait là-dessus à Télétoon, que c'était tout le temps les mêmes émissions, mettons, je sais pas quoi, il y en a marre, que c'est les mêmes épisodes pendant après 2 semaines, t'as fait le tour. Canal Famille, c'est la même affaire aussi. C'est qu'ils rotationnaient leur émission. Tu sais, disons qu'ils avaient produit une émission en 90, mais tu sais, ils repassaient en 91, ils repassaient en 93, ils repassaient. Ils rentabilisaient chaque scène, hein. Tu sais, ils étiraient le truc, puis ils laissaient reposer certaines émissions un bout de temps pour les remettre après, comme ça, ton public se renouvelle. Il y a ça quand même qui est intéressant. Je me rappelle que Télépirates, ça avait fait ça. Ça avait comme disparu, puis c'était revenu. Ben, l'été, ça disparaissait, puis ça revenait. Mais souvent, c'est que aussi quand t'es dans le jeunesse, faut que tu dises, toi, ton créneau préscolaire, ben, tu sais, l'émission qui a été produite il y a 5 ans, ton public qui a 4 ans, 5 ans après, il était pas né quand ça a été inventé. C'est pour ça aussi, par définition, que les émissions durent une saison. Parce que surtout dans le préscolaire. Limoilou, puis Dimoilou, puis Beau Limoilou. Oui, tu sais, c'est une époque où tu peux remettre ad nauseam quelque chose à télé. Si ça joue, tu le regardes. Si c'est le fun, tu veux le regarder. C'est pas tout le monde qui avait déjà des enregistreuses, qui avait déjà. Cet épisode-là, je l'ai pas vu. On faisait juste. C'est ça. Tu mets Canal Famille. Puis même si tu l'as vu 10 fois avant, c'est pas grave. Tu le regardes pareil parce que c'est ça qui joue à télé. Surtout quand tu sais, avant 5-6 ans, les kids, ils aiment regarder les mêmes affaires tout le temps. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent revoir le même film, la même émission. Faire un épisode. Voilà. Oui. Ils font plein d'émissions de un épisode. Ben, les Télétobies, c'est un peu ça. Il y a ça. Ben, ça, même, ils ont dû faire 20 ans d'épisodes. Vous voyez, là, il y a des questions un peu plus ludiques, rapides. Pire et meilleure chanson thème. Québécoise? Ah, bah dans Canal Famille. Canal Famille. Moi, je te disais meilleur intrépide, puis pire. Le thème de l'envolée. Peux-tu me le chanter? Envole! C'est quoi l'envolée? Ah, ben. C'était buzzé, ça, hein? Ah, ouais. L'envolée. Comment l'expliquer? C'est comme une émission canadienne-anglaise. Ah, c'est sûr que c'était pas bon. C'est ça. Y a-t-il un personnage qui parlait comme ça? Ben,
je me souviens pas, mais c'était vraiment weird. C'était comme, ils voulaient promouvoir la créativité, ouais, mais c'était vraiment c'était weird. C'était très green screen, là. Fait ouais, ouais, mettons ouais, un... Ça va d'une narine, là, plus on dirait un sketch des appendices. Ouais. Tu sais, un sketch de Provençal dans les appendices, ça ressemble à ça, mais non ironiquement. Moi, la pire, par contre, j'irais avec Cathy et Orbi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Cathy et Orbi, ouais. C'est un dessin animé, mais c'est pas un dessin animé, c'est des slides de foot, d'images en dessin. Ça me déprime. Mais la toune, c'est une franco-ontarienne ou quelqu'un du Canada anglais qui a un français un peu cassé, une petite fille, puis le thème c'est Cathy et Orbi, qui ont tout le belles histoires. C'est Cathy et Orbi, c'est des aventures. Vous avez quelque chose contre le Canada et les franco-ontariens? Non, parce que moi je viens de l'Outaouais, fait que t'as le droit. Ben oui, puis je l'avais un petit peu l'accent il y a quelques années. Ça, c'est l'équivalent de dormir, écouter ces émissions-là. Pire et meilleure émission. La meilleure, pour moi, c'est Dans une galaxie près de chez vous, c'est imbattable. Quoique, le studio, c'est... Studio, c'est saison 1. Saison 2. Saison 2 puis 3, ouais. Parce que la 1, c'est 3? Studio techno. La 3 est très le fun. T'as encore Guy, puis t'as Stéphane Crête qui viennent, puis t'as la naissance de leur amitié, puis de leur chimie. Mais là, tu le regardes comme un adulte. Je pense que pour un enfant de l'époque qui a vu la première année, puis techno, ça durait 5 minutes, là. Ouais. Mais... Prends un enfant de l'époque. Le studio saison 1, on n'a pas beaucoup, tu sais, ça n'a comme pas été rediffusé. On n'a pas. Il y a quelques sketchs, mais. Ouais. Mais studio saison 1, moi, je me rappelle quand c'était arrivé, j'étais comme, ah, ça, c'est weird. Il y avait des jokes sur Mortal Kombat, j'étais comme, ah, ok, là, ça décalait du reste un peu. Ouais. Mais ouais, saison 2, j'avoue, ouais, c'est comme le... Les bouts de Guylaine, souvent, ça clashait avec le reste. Ouais. Mais elle reconnaît dans le livre, Guylaine, elle pas. Elle dit, ça me dérange pas que je jouais pas dans leur sketch. C'était leur univers, j'aurais pas eu d'affaires là. J'étais contente d'animer. Puis elle faisait la petite vie en même temps, fait qu'elle pouvait lâcher son fou d'absurdité, de folie dans la petite vie. Ben oui. Bon, et puis Guy et Bruno sont devenus légendaires. Puis ça, c'est plus saison 2, j'avoue. Ouais. Mais je te dirais, Galaxy a une longueur d'avance parce que ça l'a vieilli. Tu sais, ça l'a transcendé les générations. Il y a des films, ça continue encore. Puis ils veulent encore en faire un autre. Puis il n'y a pas le film de Livre aux Folies. Non. Mais c'est pas la pire émission. Non, Livre aux Folies. Non, je ne sais pas que c'est la pire. Mauvais. C'est parce que quand j'étais jeune, c'était dole un peu parce que ça, c'était les livres, on ne lisait pas de livres. Livre aux Folies, c'est que ça durait une demi-heure. Puis je pense que le même concept en 15 minutes aurait été beaucoup mieux, plus digeste en fait pour le public cible. Mais la pire, toi, c'est quoi? La pire, moi, c'est sûr que les belles mines... Je veux pas trop... Les belles mines, c'est-tu qui sont lettres, les marionnettes? Mais, ben, Géopus. Géopus, c'est la pire. Mais... Prépuce. Mais non, mais tu sais que j'en ai des sous... Parce que Géopus, je me rappelle de rien, là. Je me rappelle de rien, mais les belles mines, je me rappelle... Que même à 4 ans, j'étais comme. Ouais, c'était weird. Cette affaire-là, c'est le bizarre. Père qui tombe en bas d'un échelle. Ouais, non, mais ça, j'ai fait des cauchemars. J'ai essayé de réparer la gouttière, puis c'est tombé en bas de mon échelle. Ça vient d'une bonne intention, mais c'est tellement éducatif, puis c'est tellement moralisateur à la limite. Puis tu vois que c'est des conseils de parents, puis c'est des professeurs qui ont écrit ça avec une vieille vision de ce que c'est l'enfance. Fait que vous venez de me faire penser, le vent dans les saules, est-ce qu'en vieillissant, ça devient bon? Je pense pas. Non. Ouais. Mais moi, je pense... Mais je comprends ta question. Je dirais que, mettons, si tu inclus les acquisitions, le vent dans les saules, c'est pas mal la pire. Ce qui est unanimement la pire émission. Ça, jeune... Ben, j'en tabarnak. Toutes les jeunes, ça, s'en rappellent. Il y a, je sais pas combien d'émissions là-dedans qu'on se rappelle pas. Le vent dans les saules, on s'en rappelle. Puis c'était... dès que la chanson t'aime pas... T'es comme « Oh! » C'est la chronique nécrologique dans le journal. Mais tu sais, ironiquement, c'est quand tu regardes après ça, que plusieurs années plus tard, Wes Anderson qui fait The Fantastic Mr. Fox avec des marionnettes qui ressemblent à celles qu'on retrouve dans cette série-là, tu fais « Mais ça peut être bon, un genre de truc de même! » Mais ça, c'est juste... C'est comme se faire euthanasier. c'est très British. Il me semble que dans ma tête que c'est British. Mais tu sais, c'est comme « Bonjour, monsieur le blaireau, voulez-vous manger des crackers? » Aujourd'hui, c'est comme... je me sens bien fatigué. Tous les épisodes sont fatigués. Ouais. Je crois que je vais retourner le vent me coucher. Dans l'herbe. Le pire et le meilleur concept. Meilleur concept, moi, je te dirais, Schlack.
Schlack, Schlack, j'aimais ça. Schlack, c'était le fun. Schlack pourrait se faire rebooter puis ça marchera encore. Ouais. Je suis sûr que Patrick Hino, c'est Patrick Hino son nom. Je suis sûr qu'il était content que vous le contactiez pour parler de Schlack. Ah, il est très cool. Ben non, mais moi, je l'avais déjà parodié, Patrick Hino. Oui, c'est vrai. T'avais peur. T'avais peur. J'ai dit, appelle-le, il l'a mal pris. T'avais peur de Patrick Hino. Non, mais pas peur, mais comme, je savais pas comment il l'avait pris. T'étais anxieux. Puis je savais qu'il l'avait vu, ça m'avait été dit qu'il avait vu le sketch, mais je savais pas comment il l'avait pris. Fait que j'étais juste, fais juste ses premiers pas, puis après on... Mais disais-tu de quoi de baveux sur lui? Ou... Non, c'était juste vraiment bon enfant, là. Ouais, mais c'est parce qu'il avait été fâché par le sketch que RBO avait fait sur lui, puis il avait un peu hanté de force. Okay, fait que, okay, après ça, quand tu te fais parodier, tu fais « sous quel angle on va me faire? » Ouais. Ouais. Okay. Puis c'est ça, avec là, Guy il écrit tout, puis là, il l'appelle. Puis il dit... Ah, je suis en train de faire une sieste. Ouais, c'est ça. Je suis en train de faire une sieste, puis là, je vois P-U-N-O. Puno? Puno. C'est qui Puno? Ben, tu sais, je sais pas c'est qui, puis je suis comme. Oui, allô? Oui, c'est Patrick Huno. Ah, ouais, ok, bonjour. Ah, ouais, Schlack, moi. Ben, ça pour l'entrevue. En passant, tu fais ça avec Portelance, mon imitateur. Plus comme, oui, exactement. Comme, ah, ben tu diras que j'ai bien aimé le sketch. tout est bien expliqué. C'est cool. Donc, le meilleur concept, c'est Schlack. Le pire, ben, rapidement. C'est encore là, le vent dans les sols. Quoi, non, ben, c'est pas. Je parlais de sorte de jeu questionnaire québécois. Là. Ben, Zigzag, c'est. Zigzag, c'est celui avec. Luxonné. Avec Luxonné, je m'en. Oui, c'est exactement ouais, ça. Zigzag. Je la catch. Ça, c'est ton zigzag. Non, mais tu sais, j'ai vu que Luc Sonné, tu sais, il s'en rappelle pas, ben, il dit, ah, c'était pas la meilleure émission, on a filmé ça en 5 jours. Ouais. Mais ça, c'était un quiz un peu pour boucher un trou de grille horaire avec des moyens très rudimentaires. Ouais. Ouais. Avec plus. C'était un quiz de... sur la sécurité. Exact. Ouais. Sécurité routière. Mais tu sais, c'est même pas genre des quiz des sur la sécurité routière. Non, mais c'est pas vrai, c'est la sécurité at large. Oui, oui, oui. Okay, d'accord. Mais... dont la routière. Mais le visuel, c'était la sécurité routière. Oui, mais tu me rappelles les exacts. T'as pas de mise en situation. C'est pas genre on va faire une impro. C'est comme bon, ben, de quelle couleur est la lumière quand vous pouvez traverser? Brune. Verte. Bonne réponse. C'est ça le quiz. Ouais, ouais. Mais tu sais, le même quiz avec plus de moyens et plus de dynamisme aurait pu. Je pense pas. Ouais. Non, il n'y a rien à faire avec Zigzag. Je me souviens de. Tant qu'à être sur la sécurité, là, je me souviens d'un bout dans les zigotos. Ils s'en allaient faire, tu sais, l'affaire que tu frappes sur des pieds et des mains. La carabox. Puis là, l'animateur qui s'appelle... Jean-François Beaupré. Bon, voilà. Il y avait un petit gars, ils ont des gants de boxe. Puis là, il disait à un petit gars, « Hey, montre-moi comment tu vas frapper. » Puis le petit gars l'avait frappé bret d'un couille. Puis t'as Jean-François qui est comme, « Oh! » Puis là, tu vois, tu sais, il c'est un mélange de « Je t'en crisse, mais je suis devant des caméras avec un enfant qui vient de me frapper d'un gosse. » Il fait, « Oh, bon, on va aller voir ça. » Ben, on n'a pas parlé des gâteaux, mais ça aussi, ça a marqué les esprits. Ben oui. Mais il y en a tellement d'émissions. L'émission avec le plus de saisons ou d'épisodes québécoises, là, bien sûr. Voyons, c'est laquelle Je pense qu'il y en a. Ben, en fait, ils sont tous ex-écho. C'est Rutabaga puis Radio Enfer. Ouais, 6. Les deux ont fait 6. Ouais. Bon, c'est pas mal ça. Ouais, je pense que c'est Rutabaga, ça. Rutabaga, c'était weird parce que dans la chanson thème, il t'annonçait les personnages qu'elle arrivait dans saison 5. Ouais. Mm-hmm. Les quick walks du parc. Tu te rappelles? Les oh, ça, je change de pas, j'étais pas capable. Genre un chien qui parle en anglais. Ouais, chaud. C'est drôle parce qu'on dirait le concept des pigbois en même temps. Garachal! J'ai lu le chapitre sur la rue Tabaga, puis les deux chiens là, sont bien nostalgiques de ça. Ils ont eu bien du fun. Oui. Puis ils se parlaient de même sans arrêt, puis le monde disait arrêtez, J'ai chaud! Je chie! L'émission. J'ai chié. Ben non, mais je me suis rendu compte après j'ai que j'ai chié dans mon suit. J'ai chié dans le costume. Oh, crotte d'humain dans le costume de chien. Je dois le changer. Oh, wouf wouf. Oh, ça pue. Ça vient de donner klaxon. Ça pue le caca. J'ai fait caca dans le costume. Ce serait quand même une émission de klaxon au Canada Famille. Ce serait, je sais pas, l'île de klaxon. Il penserait quoi? Le panier fait ta pipi.
Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. L'émission qui a le plus marqué les esprits et qui a le moins marqué les esprits. Ben, dans les deux cas, il y a plusieurs réponses, ben, je comprends, c'est mais... C'est évident, c'est Radio Enfer, Galaxy, pas mal ex aequo. Ouais. Lequel des deux qui a le plus marqué des esprits? Oh. Moi, je pense que sur le coup, Radio Enfer, puis à la longue, Galaxy. Ouais. Radio Enfer a un impact très fort quand c'est arrivé, puis tout le long de la diffusion, puis ça l'a perduré, mais Galaxy, je pense que ça a Galaxy, plus parce que slow. C'est plus un tout cohérent, mettons. Ouais. Ouais. À partir de la saison 2 jusqu'à la fin, c'est genre, c'est la même mm-hmm. affaire. Ouais. Minuit le soir, c'était pas Canal Famille, ça. Non, mais c'est ça, la suite, par mais, contre. Mais ça l'a en quelque sorte, quand même. 19-2, ça avait été pitché à Canal Famille, ils l'ont pas pris. Non. Pour vrai? Ben pour vrai, non. Ben non. Je sais pas, parce que ça se peut. Le plan séquence, c'est pas la dingue? Ouais, le plan séquence de la tuerie. Enfin, l'idée du plan séquence. Au Canal Famille, évidemment. C'est un Bibi et Geneviève à la base. Ben oui. Donc, ça a plus marqué les esprits que Bibi et Geneviève. Bibi aussi. Bibi, tu le ramènes n'importe où, là. Puis le monde se chie les pinces. Bibi, c'est pas l'émission. Aujourd'hui, c'est pas l'émission, mais le personnage est plus marquant aujourd'hui. Mais l'émission est pas oubliée, mais. Tu sais, je suis sûr qu'il y a des jeunes qui vont voir une image de Bibi, tu sais, en haut, genre, mettons, 15-16 ans. Ils vont savoir que c'est Bibi, mais ils vont pas savoir que c'est Bibi et Geneviève. Ouais. Geneviève, elle a moins travaillé par la suite. Ouais. Ben, je veux dire, elle a été moins présente, mettons. C'est dans... un choix conscient aussi. Elle voulait plus faire ça. OK. Elle a étudié en psycho. OK. Puis, c'est ça. Puis Robin était là, lui, non, il était pas là. Non, il était pas là. Donc, c'est un peu... Ah, puis qu'est-ce qui a moins marqué les esprits, mais là, ça... Hey, mais dans les Québécois, c'est peut-être de jeune en jeune. Ouais, ou Bottine et Boussole. Bottine et Boussole, qu'est-ce que c'est ça? Moi, la bande à Bubu, ça me dit rien. Magix. Mais tu sais, ça, au début, il y a plein d'émissions. Cirque Simo. Tu sais, il y a comme plein d'émissions de même au début. Tout ce qui est genre théâtre, là. Vidéo-théâtre. Mais vidéo-théâtre a marqué du monde quand même. Ben, Fred et compagnie, je m'en rappelle. Oui, c'est à Radio 4. Ouais, c'est ça, je m'en rappelle. Je pensais à Martin et compagnie quand même. Martin et compagnie. Ouais. Ça, je m'en rappelle c'est à cause que Martin, il est laid que le Christ. Cirque Simo, hein. Cirque Simo, une émission de cirque. Tu sais, c'est ça, là. Faut vraiment aimer ça. Il nous reste un genre de 2 minutes. On a plein de questions du public, mais. Haha, on les garde pour toujours vivants. Donc, pour les membres Patreon, vous aurez vos questions du public à Guy et Simon. Ben oui, je l'ai fait cette semaine. Bonne manière d'encourager les gens à s'inscrire. Ben, j'essaie de ne pas faire ça. Je me suis dit, je vais le faire cette semaine. Ah, moi, je vais vous dire, désabonnez-vous Patreon pour désabonnez-vous, parce qu'on est toutes pas bonnes, les questions. Il reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'on souhaite pour le livre? Tout le monde en parle. Ben, qui se vende? Qui se vende? Vous allez en vendre 100. 2, 3, 2. Ça s'adresse à qui, ce livre-là? Ben, à moi. Oui. Ben, on a fait ce que nous, on aurait voulu avoir. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'il est beau en tabarnak, le livre. Tu sais, c'est vraiment. Ça m'a surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit très laid. Puis le nombre d'images, puis vous avez le logo de chaque émission. Ouais. Chaque émission québécoise a au moins une page. Ouais. Ah, wow. Oh! Ah, c'est le dude. Décidérez. On reconnaît ton nom. Ouais, c'est juste un rappel pour tous les gens qui ne font pas Patreon encore. Encore une fois, je vous rappelle que le show Toujours Vivant, ça dure 4 heures. C'est 4 heures de show extra pour... Voilà. Il a une belle voix quand même. Oui, il a une bonne voix, mais là, il faudra... On aurait dit la voix de l'ombre dans Opération Caméléon. Oui. Ben ça, j'étais trop vieux un peu. Tu sais, le personnage qu'on voit jamais puis qu'on n'a pas envie de voir. Là. Peut-être un message dans ce que je dis. Fait que ça sort quand, cette niaiserie-là? C'est le 28 septembre. Et est-ce que ça se trouve dans toutes les bonnes librairies? Les bonnes et les mauvaises. Oui, les bonnes et mauvaises, c'est partout, hein? Oui, et chez Costco, probablement. Chez Costco. Chez Walmart. Mmh, okay. Ben. Je l'embrasse. Ah! On se le souhaite. Merci. Merci Simon, merci Guy. Merci Maxime. Merci Julien. Merci. T'as été bon, Julien. Trouves-tu? Oui. J'ai préparé mes questions. Je sais que je te cuisine souvent, je te tire la pipe, mais c'est fait avec amour. Oui, il me cuisine beaucoup, Maxime, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le seul ami que j'ai. Ouais. On fait ça un épipé pour en finissant pour Julien? Non, un zig-zig zigoto pour Julien. Oui! La 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 la. Tout le monde s'envoie des folies. Si on s'ennuie, on se gratte le zizi. Zigoto! Zig, 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 zigoto! Merci les amis, merci Vincent. On se rejoint dans Toujours Vivant pour les membres Patreon. Bye bye! Plus de rue, plus les capables, plus politique.
plus rapide. Décide et Loft.